Bonjour tout le monde, ici Baron Sinker pour un nouvel épisode de Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Et aujourd'hui on va jouer avec le petit monsieur qui est ici. C'est qui ce petit monsieur là? C'est le All Stars, qui est en fait le tank du côté des zombies. Et on va jouer avec, pas la variante, la version originale. Et, oh, c'est à Gnome Bomb, ça va être au mode Gnome Bomb qu'on va jouer. C'est quoi ce mode là? C'est un mode dans lequel il faut aller chercher dans la map une bombe qui va apparaître aléatoirement et aller la déposer dans une des trois bases de l'équipe adverse. Et l'équipe ennemie fait la même chose. Et on va détruire la petite Sunflower ici. Oh, cactus! Comme si ça c'est une des bases de l'équipe adverse. Donc on la reconnaît parce qu'elle est verte et il y en a trois dans la map. Et il y a aussi trois bases mauves qui sont les bases du côté des zombies. Oh, ici, il y a le Chomper qui a la bombe et qui essaie de... Oh, on s'est fait tuer. Par une belle Sunflower. Donc, je pense... Oh! Je pense pas qu'on va se faire réanimer ici. Donc, on va respawner. Donc, no bomb! On peut voir ici que la bombe est... elle était, en fait... mauve pour indiquer, ah comme là, pour indiquer que c'est l'équipe adverse qui l'a. En fait, excusez-moi, que c'est notre équipe qui l'a. Si cette bombe est verte, ça veut dire que c'est l'équipe des plantes qui l'a en sa possession. Oh. Donc, on va tuer les petits pea shooters ici. Bam! Oh, on a réussi à l'ex... Ah non, elle a été diffusée. Et pour ça ici... Et on peut quand même pas pire de kill à date. Un petit chumper ici, si on peut le tuer, bam! Si on... Oh! Si on peut tuer la petite Sunflower ici! Et... Il est mort! Oh, il y en a un autre en arrière de nous! On va mettre un petit mur pour l'empêcher de nous tuer. Oh non, 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 pas le chumper! On s'est fait tuer par le chumper! Donc, le All-Star! Comme je dis, c'est le tank. Son arme principale, c'est une sorte de minigun. Et à date, comme on a pu voir dans le tableau de score, on a quand même pas mal botté des culs. Mais on n'a pas encore tellement participé à l'objectif du jeu, qui est d'amener la bombe dans une des bases de l'équipe adverse. Mais l'équipe l'a faite pour nous. Oh, elle a été diffusée. Donc, on va pas se faire tuer par cette Sunflower-là, si possible. Il ne reste plus de balles, on va mettre un petit mur pour nous protéger. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, je le vois! Il y a un drone de cactus. Et on l'a vraiment raté. Ah, mais il s'est fait détruire. On va tuer le petit pea shooter. Essayez du moins. Il y a un petit épi les dindes à côté de lui. Si on peut le tuer, ça serait bien le fun. Mettre un petit mur pour se protéger. Voilà, la petite Sunflower. Ouais. Oh, deux Sunflower. Oh, on va mettre des petits murs. Pour se protéger un peu. On va se garder en vie ici sur le côté. On va lancer notre petite grenade. On dirait que ça n'a pas fait grand chose. Oh, oh, 13%, 13% de vie. Oh, on l'a tué. C'est bon. Hey, man, on rate les kills aujourd'hui. On rate les kills. On essaye de garder en vie. Il y a encore un Nick Bladen là-bas. Là, il mérite de se faire tuer. Oh là là, oh là là. Oh, la Sunflower. Faut la tuer. C'est bien important de tuer les guérisseurs du team adverse assez rapidement. Parce qu'ils sont capables de garder leur coéquipier en vie vraiment longtemps. Oh! On l'a tué, la Sunflower qui se cachait. Celle-là, on va voir si on peut la tuer. On va se mettre un petit mur pour se protéger. Ouh, ouais. Et on a réussi à mettre la bombe dans la base qui est là. Oh! Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois qu'on a mis la bombe, oh, on va détruire la petite Sunflower ici. Ils s'en doutent même pas. Oh, on a complètement. Oh! Ah oh, non, on n'a pas tué la bonne affaire. Elle nous a tués. Elle nous a tués. Donc, comme je disais, une fois qu'on a réussi à planter la bombe dans une des zones de l'équipe adverse, cette bombe-là, je crois qu'elle a environ 20 secondes, 25 secondes avant d'exploser. Oh, le chomper ici, on va le tuer, là. On va le massacrer, et boum.
Donc, ça prend environ une vingtaine, 25 secondes avant que celle-ci explose. Et pendant ce temps-là, l'équipe adverse peut essayer de la diffuser. Et le match est gagné une fois que les trois bases de l'équipe adverse ou de notre équipe ont été détruites. Boum! Est-ce que notre petit imp... Oh, il a réussi à la mettre dans la base! On va détruire la Sunflower là et on va essayer de protéger cette zone-ci pour que personne ne vienne diffuser cette bombe. Il reste 11 secondes. Oh, boum, boum! Ben, on te raxe des kills aujourd'hui, man! Bam, bam! Oh, un chumper! Il reste 4 secondes. Il n'y aura jamais le temps de la diffuser, même s'il nous tue. Boum! Oh, 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 oh! Ha ha! On va tuer le chumper et... Oh, on a réussi à le tuer! On marche pas vite, par contre. Oh, 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 il y a un petit peu trop de tout le monde ici. Oh, oh non! Oh, je pensais qu'on s'était fait tuer par la Sunflower. Donc, le All-Stars. Le All-Stars, on n'a pas encore parlé de ses habiletés. Le All-Stars en a trois. Il y a le LB qui lance un petit imp zombie qui explose. Donc, il y a une espèce de petite grenade. Il kick une petite grenade. Comme ça serait un petit ballon de football. Et celui-ci explose et tue pratiquement n'importe qui est sur son passage. Sa deuxième habileté, c'est de foncer. C'est le tackle qui est le Y. Et on essaie de tuer le chumper ici. Il est mort. Il est mort. Oh non, il y en a un. Oh, comme. Oh non! Ah, je pensais m'enfuir en utilisant le tackle. Donc, le tackle, qui est le Y, fait en fait foncer le All-Stars dans une direction. Et quand il fonce dans cette direction-là, s'il y a quelqu'un devant lui de l'équipe adverse ou quelque chose qui est ennemi, ça leur fait du point de dégâts. Mais ça peut aussi être utilisé pour s'échapper. Et on va essayer de la. Ah! On n'a pas réussi à y foncer dessus. On va peut-être la tuer avec la petite. Ah, ça lui a juste fait un point de dégâts. Elle est en train en plus de se guérir, la petite poffine. Oh. Et ça, c'est notre troisième habileté, c'est de mettre un mur. On en a deux. Oh, j'aurais pu en mettre un autre à ce moment-là pour se garder en vie. Donc les petits murs qui servent à nous protéger ou protéger nos kikipi des coups de l'ennemi. On a déjà mis une bombe dans une deuxième de leur base. Aussi, le match peut terminer si je pense que chaque match dure environ 15 minutes maximum. Donc le match va aussi terminer après que le temps se soit écoulé. Et si pas toutes les bases ont été détruites, ça va être l'équipe qui a détruit le plus de bases qui va gagner. Et on peut voir que l'arme principale du All-Stars est une sorte de minigun qui a des balles à l'infini, donc il faut pas la recharger. Mais ces balles, en fait, le minigun en quelque sorte, va surchauffer. Ouh, vas-tu le tuer? Oh! J'étais sûr qu'on allait faire des kills. Ouh, on est en mauvaise position ici. On va essayer de se protéger un peu. Oh yeah! Oh, on est en train de se... C'est quoi? Oh, on l'a tué quand même! Ah! Quelque chose qui nous a gelé. Mais on s'est fait tuer par la rose. Donc, son minigun... super arme, c'est juste qu'elle n'a pas beaucoup de accuracy, comme on dit, donc elle n'est pas très précise. Mais elle peut tirer à l'infini, sauf qu'elle va surchauffer. Quand celle-ci surchauffe, il faut attendre un certain moment avant de pouvoir la réutiliser. On vient de détruire notre deuxième base de zombies, de plantes. Il reste environ 6 minutes au match. Et ils ont réussi à détruire aucune de nos bases pour l'instant. Donc ça part bien. Et je crois qu'on a... Oh! On vient de voir le petit gnome ici spawner. Détruire ça ici. Est-ce que c'est notre équipe qui l'a? Oui. Oh! On a tué la Sunflower qui est là. Il y a un chumper ici, là. Bam! On l'a pas tué, mais on l'a failli. On va le tuer ici, c'est pas mal certain. Bam! Oh, le gnome a été diffusé. Hey, on va s'échapper de là, on va s'échapper de là. Oh, détruire le petit bambou ici. Est-ce qu'il y a d'autres? On est vraiment pas dans une bonne position. Oh non, parce qu'on va se faire manger. On s'est fait manger par un chumper. Quand on se fait manger par un chumper, on ne peut pas se faire réanimer parce qu'on s'est fait manger. Donc on peut juste respawner. Donc c'est des plantes qui l'ont présentement. C'est un citron. Oh, ils l'ont échappé.
Et c'est notre équipe qui l'a. On a failli faire exploser leur dernière base tantôt. Tuer le petit. C'est quoi qui me tire à gauche? Ok. J'ai pas trop vu c'est quoi qui nous tirait. Oh! Oh! C'est lui qui a la bombe! Je pensais qu'on l'a tué, mais c'est pas lui qu'on a tué, c'est un de ses coéquipiers. Oh non! On va pas encore se faire manger encore! Cela dit, tantôt on a fait pas mal de kills un après l'autre, donc je suis pas mal sûr qu'on est quand même pas pire à date. On n'a pas tant fait l'objectif que ça, mais on a quand même aidé à ce que les plantes ne viennent pas trop nous agacer. Oh non! Il a planté. Est-ce qu'on va réussir à la diffuser? La rose ici est morte. On a réussi à la diffuser juste au bon moment. Et c'est la première fois qu'ils réussissent à la planter, je pense, du côté des zombies. On va tuer le petit pea shooter qui est là. Et... bam! Un autre petit pea shooter ici. On l'a raté. Oh non, 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 non! On va le tuer peut-être avant que la... Ouais! Oh non, un autre sombrero bee! Oh. J'étais sûr que le petit mur qu'on a mis là aurait empêché que le sombrero bean... Nous tue... Oh, on est en train de se faire réanimer ici. Probablement par le All-Star qui est là. Ah non! Je sais pas. Peut-être le super-héros qui nous a réanimé. Donc, il y a quelqu'un ici avec la bombe en face de nous. On prépare. Oui! On avait prédit le coup ici. On va essayer de le rattraper. Bam! Avec le tackle. Oh, on est à peine arrivé! On le tue. On est en train de se faire tuer par un Sunflower, par exemple. Ouais... Ah, dommage, dommage. Gros dommage. Oh, ils ont encore mis la bombe dans notre... dans une de nos bases. On va tackle. On va essayer d'avancer plus vite. Ah, ok. On a réussi à les diffuser, mais il y a beaucoup de monde qui sont morts de notre équipe là-bas. Là, on va tuer... Ouais, on a tué le petit pea shooter, peut-être la rose, non? Là, elle va être... Là, elle est morte. Bam! Bam! Trop fort le gars. J'ai vu un chumper ici dans le coin. Bam! Qu'est-ce qu'il y a ici? Y a-tu? Oh non, y a des plantes ici! On va essayer de protéger notre petite base avec des petits murs. Oh non, j'ai mis un mur devant moi! Oh non! Je peux pas sortir! Y'a le mur qui est en face de moi! Oh! On va essayer de diffuser. Oh non! Ça, c'était mal joué de ma part. Ça, c'était très mal joué de ma part. 10 secondes. Je vois pas grand monde qui va être capable de les diffuser. 5 secondes. Je pense que c'est fini. Pour celle-là. C'est pas grave. On en a quand même toujours une de plus qu'eux autres. Et il reste environ quoi? 2 minutes? Ouais, 1 minute. Presque 1 minute. Si on réussit à soit détruire leur dernière base à moins d'une minute... ou qu'on réussit à ne pas se faire détruire une base dans... à l'intérieur de cette minute-là, on gagne! Et ce petit épi de blé d'Inde est mort. Il le méritait sûrement. Un petit chumper ici, là, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il essaie de... Oh. Ah! Oh! Oh! Oh non, 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 non! Je sais pas qu'est-ce qui va arriver ici, est-ce qu'on va réussir à le tuer? Oh, on a réussi à le tuer! Oh! Ah, qu'est-ce qui se passe ici? On va tuer le petit Chumper ici! Oh non! Il nous reste 9% de vie! Hop! Oh. Ouais! On a eu un speed upgrade par exemple. On s'est fait tuer par un pea shooter de feu! 20 secondes, on peut réussir. Oh, c'est les plantes qui ont... c'est la plante qui ont la bombe! Il faudrait pas qu'ils réussissent à la mettre dans notre base. Oh, on va tuer le petit citron ici. On va tuer le petit pea shooter de feu. C'est probablement... Oh, on a réussi à le tuer. C'était probablement celui qui nous a tué tantôt. Oh, un petit citron là-bas, je l'ai vu. Oh! Et c'est fini. On a gagné! Vraiment, vraiment, une bonne petite game ici. On n'a pas gagné parce qu'on a détruit les trois bases, par exemple. Dommage, mais on a fait un petit peu de cash. On va voir le tableau des scores. Oh, on était MVP!
38 kills, les amis. On est la personne qui a fait le plus de kills. Oh yeah! On va voir le score. Bro number one! On est numéro 1. On a fait énormément de points. Très 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 belle game de notre part. J'ai pas eu le temps de montrer une autre variante, mais vous avez probablement compris un peu à quoi ressemblait ce personnage. Pour l'instant, j'essaie de faire un vidéo par personnage, donc on en a quand même fait quelques-uns. Je pense que celui-ci, c'est notre quatrième. Il en reste encore pas mal d'autres à vous montrer. Donc, merci d'avoir écouté et j'espère vous revoir au prochain épisode!